Il est SP, hein. Ouais. En vrai, je vois pas trop comment on tue pas tout le monde. Hein. Je vois pas trop, là. Ah, j'ai les buffs de ban, c'est le plus important. Ouais, ça, c'est large. C'est large. Et le ulti Arthur Excalibur, il est vraiment pas mal, en vrai. Hein. Watashi wa zettai ni makenai. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très très bien sur une bonne vidéo de Grand Cross. Et aujourd'hui, si vous avez suivi ma petite vidéo patch note d'hier probablement, nous allons aujourd'hui tester la Lilia éveillée. Avec, nous allons lui mettre son nouveau skin que j'ai fini de débloquer. Qui est vraiment... Oh, il est... Déjà de base, cette Lilia est... Et par contre, à chaque fois, je misclique, c'est exceptionnel. Cette Lilia est vraiment déjà... merci, monsieur. C'est avec quoi l'effet? Change les effets visuels. Bon, allez, c'est quoi? De base, je préfère, genre, cette petite corne-là plutôt que celle-là. Mais il me semble... Je crois que c'est l'ulti qui change un petit peu d'effet. Je crois que l'explosion change. Donc, bon. On va mettre le truc complet. Et... Je sais pas pourquoi, mais récemment j'avais l'impression que mon ban tapait un peu moins fort. Donc voilà, je lui ai remis, la petite coupe de cheveux comme ça là. Et puis on va mettre cette tenue là, parce que je l'ai jamais mise avec vous. En vidéo en tout cas. On va mettre celle là. Et des petits gants noirs. Voilà. On va changer un peu. On change un peu de tenue, ça tourne. Twigod. Team classique, sinon. Team très classique. Mais on a. La petite Lilia éveillée rouge dans la team. On va voir un peu ce qu'elle donne dans cette équipe. L'avantage, c'est... donc, on a un sort pour gérer l'ulti avec Lilia rouge. Et son passif va mettre de la corrosion aux ennemis. Mais aux ennemis, 10% de leur vie. Ouais, il joue... Est-ce qu'il joue CC? En vrai, 271 000... Est-ce que c'est possible de pas jouer CC? Bah s'il est Twigo, non. S'il est Twigo en sub, je pense qu'il joue CC. Et ouais, déjà dès le début, un petit 10% de dégâts. Ça fait 10% des HP des mecs. Son move était un peu étrange, je vais pas vous mentir. On va faire ça. On va boucher ça. Hop. Shinpai sunna. Bon, les bans contre ban, c'est pas les gameplay les plus fun, honnêtement. Mais ouais, on a. Alors, cette carte là, elle fait une attaque mono-cible qui, au niveau 1, rend 80% des dégâts faits au mec dans ta team qui a le moins de vie. Et à partir du niveau 2 et 3, ça rend un plus petit pourcentage, je crois que c'est 30 ou 40%, mais à toute ta team. Donc, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Je sais plus combien de tours ça dure le passif de ban. 3 tours. Normalement, je peux faire ça du coup. Attends d'avoir une autre ulti. Normalement, j'ai encore mes buffs. Parfait ça. Shinpai Sunna. Il n'y a pas un monde où il me tue, hein, clairement. Ok. C'est vrai qu'on a perdu le buff de ban de 20%. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Il est SP, hein. Ouais. En vrai, je vois pas trop comment on tue pas tout le monde. Hein. Je vais pas vous mentir. Je vois pas trop, là. Ah, j'ai les buffs de ban, c'est le plus important. Ouais, ça, c'est large. C'est large. Et le ulti Arthur Excalibur, il est vraiment pas mal en vrai. Hein. Watashi wa zettai ni makenai. Ah, mais d'ailleurs, voilà, je suis maître 3. Je suis descendu à cause du reset de la saison, là, de la semaine. J'étais maître 2. J'étais genre maître 2, Ah, il manquait genre 2 points, je crois, pour être maître 1. J'avais dû dérank sur une game, je crois. Et ouais, bon, du coup, je suis maître 3. Non, mais si ça continue, je vais finir platine, hein. C'est terrible.
En vrai, mettre 1, ça va, tu vois, mettre 1, c'est ok. C'est juste que, bon, je me large, enfin, je l'ai déjà prouvé, je peux monter Chan, c'est pas le problème, mais c'est juste que... Je trouve ça un peu... comment dire? Disons que j'ai envie de jouer d'autres persos, surtout dans, en ce moment, sur Grand Cross, je vais pas vous mentir, il y a pas non plus 12 milliards de trucs à faire. Donc si je peux... faire ça. Il n'y a pas 12 milliards de trucs à faire, donc je préfère rester un peu plus bas en elo pour imagine, ne pas dropper les meilleures cartes, on a droppé la pire carte. Les deux pires cartes, je... SP6 ou pas SP2, ça va. Je préfère dropper les... On va faire ça, on va faire ça. Et on va faire ça. Oh, mais, pff, quel... Oh là là, mais quel managing des cartes. Oh là là, mais exceptionnel ce joueur. Trop trop fort. Oh là là là, trop trop fort. Ouf, il m'a mis une belle sauce, hein. Ouf, il m'a mis une... un beau saucier, hein. Bordel. On va faire ça et on va faire la mono cible, je pense, de Lilia. Pour heal un peu hard. Non, moi ça heal tout le monde du coup. On va faire ça et on va faire la mono cible. Vous voyez, donc ça fait un peu plus de dégâts. Bon, voilà. Le heal va être ridicule parce que bon, bah. Vu qu'il taunt. Vu qu'il avait son taunt, il a pas pris beaucoup de dégâts. Pourquoi ça met la musique de Vegeta Blue, genre, je ne sais pas. Oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, t'as un... Le mec est un niveau 3. On joue pas au même jeu, frérot. On joue pas au même jeu, frérot. What the fuck. J'ai lose, en fait. Le mec a droppé un niveau 3, The One, comme ça. Ah, j'ai une autre attaque ban. Bon, je pense que je tue quand même... Je pense que je tue The One quand même. Moi j'ai plus Arthur donc je vais quand même faire beaucoup moins de dégâts mais... Est-ce que je tue The One? Je tue Arthur déjà je pense. Ah ça va être close. Oh non! Mais frérot, il y a un crit qui est pas passé, un crit qui est pas passé! Mais non! Ah... Ouais, c'est terrible, mon truc s'est décollé là, du coup je suis obligé de le prendre et de le remettre comme un clochard. J'en ai acheté des nouveaux mais c'était pas la bonne taille, du coup je les ai gloués. Du coup lui il tient bien mais lui il est tombé là. Et ma glue, j'arrive pas à l'ouvrir. Il est 6-6? Non il est pas 6-6. Et ça va. J'ai eu une attaque en vrai. J'y crois. Je crois au fait qu'on tue ban. Allez, full mono cible. Allez Lilia. Allez Lilia. Vas-y, vas-y. Vas-y Lilia, vas-y. Du coup, c'est elle même, je crois, vu que c'était elle qui avait le monde HP. Donc, du coup, maintenant, elle en a un peu plus. Attendez monsieur, mais mettez-moi. Très bien cette musique. Twigo. Twigo. Qu'as-tu fait à Twigo? Pardon. Oh monsieur. Merci monsieur. Le jeu qui me régale. Le jeu qui me régale. Non bro, je veux l'animation avec Lilia. Arrête. C'est terrible. Frérot, j'ai les SAC4 pour augmenter sa résistance crit là. Non mais je vais lose. C'est terrible. Oh le bâtard. Si Twigo était mort, j'aurais gagné. J'ai perdu. En 1v1 ban ne bat jamais The One, y'a pas un monde. En plus il y a une carte 3.
On peut regarder, hein, mais... Ouais. Je sais très bien ce qui va se passer. C'est écrit. Oh, il est SP 4 ou 5, je crois, quand même, hein. Sans Owen. Je sais pas combien il est, mais... Il a une bonne SP, hein. Mais pourquoi je suis maître 4? J'ai gagné une game et perdu une terre. Je me fais chier dessus, genre. Ça y est, le mec était maître 5. Faites-moi pas perdre 35 points, genre. C'est juste honteux. Non, je crois que j'ai perdu 20, mais j'avais gagné 15. Du coup, c'est terrible. Ouais, mais c'est... C'est pour ça, en ce moment... Oh, genre, no joke, en ce moment, je dérangue aussi un petit peu. Parce que quand je joue ban, en tout cas, je dérangue souvent. Parce que ban, en fait, si je tombe contre des matchups ban contre ban... Bon, déjà, c'est super, là, je tombe contre un... Il avait 255 000 CC, c'est tellement peu. De fuck. Bon, mais... il rank up comme monde. Ok, bizarre. Bizarre comment il joue. Son play était bizarre. Bon, je pense... Ouais. On va taper, hein. Chim Python na. Par contre, j'ai l'impression que les bans en face, ils mettent 12 milliards de crit. Même sur mes gozers. Je mets pas un crit. Je mets pas un crit. Non, mais je pense que je vais peut-être échanger un de mes dégâts crit contre un autre chance crit. Hein, parce que j'ai l'impression de... Et les mecs, arrêtez! Comment je fais pour avoir ma win animation avec Elia si vous la tuez, genre? Mais ça dégoûte! Mais ça dégoûte! Surtout que le move à faire, c'est tuer Arthur, pas tuer Lilia! Arrêtez! Qu'est-ce que vous branlez, genre? C'est juste honteux! C'est juste une honte! Et voilà, t'as perdu! Ça dégoûte! Oh, ça dégoûte! Ah, mais comment je peux avoir l'animation de win avec Lilia maintenant? C'est pas possible. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Bon. Allez, on se retrouve à la game d'après. Alors, on va voir quel est notre prochain adversaire. Ce sera la dernière, je pense. Mais ouais, Lilia, c'est bien parce qu'on n'a pas eu l'occasion de l'utiliser, quoi. Enfin, bon. Pas quoi. Mais c'est honnêtement, c'est pas ma préférée. En vrai, la corrosion est pas mal. Et notamment contre Elisabeth, c'est vrai que la corrosion, ça peut casser potentiellement le shield plus facilement. Par exemple, si tu mets une corrosion, alors la corrosion ne casse pas le shield. Il faut la corrosion de démon de bleu, je crois, pour casser le shield. Même si on fout vie. Tu mets genre une attaque Arthur, même niveau 1, et t'es sûr que le shield d'Elisabeth soit cassé, tu vois. Donc c'est pas mal, tu vois. Mais bon. C'est quoi on va taper? Peut-être tu es Gozer, hein. Let's go, hein. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire contre Aglo Eater, parce que sinon il va préparer ses niveaux 3 avec The One, et après il va tuer Arthur et je ferai plus de dégâts. Mais déjà... Oh, j'ai pas eu de carte The... Ah, j'ai pas eu de carte ban. C'est dur. Mais si il tue Arthur, c'est pas forcément si horrible. Par contre, il met que des crits. Le frérot, il a mis 3 crits sur 3, genre. On est où, genre? On est juste où, genre? Allez, des cartes ban. Allez. Pas des cartes Wigo, pitié. Non, ça pue. Personne. J'aurais bien aimé tuer le Gozer. Alors, le stuff que je lui ai mis à Lilia,
C'est le stuff de ma Lilia bleue. Donc il y a de la perfo en haut à gauche. Avec 6% d'attaque. Et en haut à droite, je lui ai enlevé le truc de Lilia bleue et je lui ai mis un truc qui est pas UR. Je lui ai mis un SSR de Gozer, je crois qu'à 14% d'attaque. Pour autant, ses dégâts étaient inexistants. C'est... Enfin, voilà. Non mais frérot! Bon, en vrai, c'est un peu plus legit de faire ça à Trigo qu'à Arthur, mais... Non mais mec, il en a tous les tours. C'est juste trop, genre. C'est juste trop. Non mais c'est juste trop. Par contre, c'est quoi la résistance crit de Malilia? Elle se fait crit tout le temps. Ah mais il joue Death Pierce. Ah ouais. Le mec est déter. En plus, je suis le pire joueur. Enfin, je suis le pire joueur. Genre. Je suis le pire joueur. Je suis le pire joueur. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans ma tête, j'avais encore 3 cartes. J'étais en mode, ok, donc là, je les combine et après, je fais le gros niveau 3. Ça va être super. Bah non, t'as 2 cartes, frérot. Ça pue ce que t'as fait. Non, mais c'est pour ça. Mais la team ban, honnêtement... Déjà, tu ressens quand même bien la diff. Quand t'as ban 6-6 ou pas ban 6-6. Et le problème de la team ban, c'est que c'est full RNG et que disons que ma RNG sur les cartes est moyenne, on va dire. Pas horrible, mais les moyennes. Et disons que du coup, contre... Il suffit que le mec drop comme la game d'avant à tous les tours une Aula Gozer. Et j'ai jamais mon ult, et en plus, vu que j'ai pas redrop d'attaque ban, la game d'avant j'aurais redroppé une attaque ban, j'aurais gagné la game. Bah je l'ai pas redrop, on a perdu. Donc c'est un peu ce qui est chiant avec ban, c'est que c'est... Ah c'est full luck quoi, c'est full luck sur... Oh, merci. C'est full luck sur... Sur les cartes quoi. Donc bon. C'est un peu dommage quoi comme gameplay. Hein. C'est pas le truc le plus fun du monde quoi. Non t'as pas la haut, t'as pas la haut. Parfait. Tu n'avais pas la haut. Et je t'en remercie. Je te remercie de ne pas avoir cette AOE. Bon on va gagner sur la dernière. Au final, je dis que la dernière c'était celle d'avant, mais bon, vu que j'ai joué comme un animal, je vous ai annoncé. Normalement, on a win. Et ouais, c'est pour ça que je suis pas fan de... Enfin, ban... Il est incroyable, genre, son flow est exceptionnel. Ses attaques sont trop stylées et tout, mais en fait, c'est too much. Parce qu'en fait, le problème de ban, c'est vraiment... T'as ses cartes, t'as win. T'as pas ses cartes, t'as lose. Et... Ah, c'est pas un gameplay très enrichissant quoi. C'est pas pas une dinguerie quoi. C'est juste de la RNG quoi. Ah j'ai même pieux Zoal. Putain. Quand t'as tous les buffs avec ban plus buff 2 et tout. Ça va, on va essayer de choper l'animation avec Lilia. J'espère que c'est un bot. Donc on va essayer de choper l'animation avec Lilia. Je vais mettre un coup avec ban quand même. Ah de toute façon je vais mettre même deux coups parce que dans tous les cas il faut faire propre revive donc. Okay. Ça va être long. Ça va être fastidieux. À choper l'animation avec Lia, ça va être un enfer. Oh ça va être un enfer. Il faut que je chope son ult en vrai. Et oui, je l'ai pas dit, mais quand le mec a plus de 3 ou 4 orbes, je sais plus combien c'est, de spé, ça lui réduit son attaque de 10%. Non, 15%, je sais plus combien c'est. Je vais regarder. Mais peut-être qu'on pourra voir l'animation de Lilia quand même à la fin. Réduit de 10% l'attaque des ennemis avec 5 orbes. Non, c'est quand t'as une ulti en fait. Hop, hop.
Allez. Allez Lilia, vas-y, je te regarde. Non mais frérot, c'était quoi ces noms de gars là? Non mais frérot, je... Non mais c'est juste honteux là ce que je vois là. Non mais frérot, c'est juste une honte. Non mais frérot, c'est une honte ce que je vois là. Je suis abasourdi. Là, je n'ai pas les mots pour ce que je viens de voir. Je n'ai pas les mots. J'aurais dû remettre le taunt. Hein. Non, mais elle le tue jamais, en fait. Enfin, elle la tue jamais. Non, mais c'est terrible. Je vous dis qu'on a gagné. Hein. J'y crois. J'y crois, pitié. J'ai SP2, mais quand même! Quand même! Un peu de respect! Oh, peut-être. Alors, peut-être. Ma dernière tentative, sinon je le tue avec ban, tant pis. Oh oui! Oh oui! Ma miniature! Enfin! Let's go! Let's fucking go! En plus, c'est bugué, elle aime. Lilia rouge elle est buggée. Genre déjà quand tu la tires, l'animation reste 1000 ans. Je sais pas pourquoi. Et là quand tu gagnes la game c'est pareil, l'animation a buggé encore. Je sais pas ce qu'il y a avec Lilia Snake et Lilia rouge, mais c'est buggé son animation de victoire. En tous les cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai pas réussi. Ça fait sans aucune blague 10 minutes que je me bats contre cette Elisabeth à essayer de faire gagner Lilia. C'est trop trop dur. Elle fait tellement peu de dégâts, c'est une honte. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et en plus, c'est buff par Arthur Excalibur de 20%, c'est dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la voyeur. Ciao.